après le week-end, grand point qui a dominé l'actualité. Et c'est sûr que nous sommes capables de commencer avec ce qui a passé dans la région Moyen-Orient, ce qui a passé ici aux États-Unis. Mais nous parlons plutôt dans le siège organisation État américain, où à un moment, nous avons parlé là, et côté de une session spéciale sur un conflit diplomatique et entre Équateur avec Mexique depuis 5 avril qui sont passés là, côté que un commando ou bien une équipe policière qui est entrée dans l'ambassade mexicaine, non. Et Quito, la capitale pays Équateur, pour te prendre, et ancien vice-président Jorge Glass, ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Donc, dans le moment où on a parlé de la session a fait dans OEA, et tout à l'heure, l'homme qui a gardé tes gagnants, et ambassadeur permanent, ou bien représentant permanent pays Équateur, qui a essayé d'expliquer pour qui ça que, eh bien, et ça fait comme ça que. Eh bien, il a pris la décision pour y aller prendre ancien président équatorien dans l'ambassade pays Mexique, si on a parlé de Mauricio Montalvo, lui-même qui a fait déclaration dans l'OEA. Et lui expliquer que, et lui fait référence à plusieurs conventions, notamment de Caracas, de Montevideo, pour te parler de un point, il a fait un point, côté qu'il dit que, eh bien, yon ambassade pas gagne droit bailler un monde asile, si il n'a pas le refuge. S'il gagnait, il y a un problème avec la justice. Effectivement, gagnait. Jorge Glass qui gagne. Problème avec la justice, mais son question qui est très sensible. Son question qui demande en pile considération diplomatique, qui demande considération juridique, légale et autres qui parlent dans le domaine. Donc, on quitte pour M. Sarr. Mais en attendant, conflit diplomatique là, là depuis 5 avril, l'été qui est descendu de la police dans l'ambassade Mexique, dans Quito, c'était pour prendre ancien président équatorien Jorge Glass, qui n'y a eu pas quatre reproches contre lui. Monsieur t'a fait magouille, monsieur t'a pris un cob, monsieur t'a même pris un cob pour le financer campagne ancien et président et Coréa. Et donc, c'est une question qui à l'ordre du jour dans l'actualité. C'est comme ça que Mexique y est. Et il était saisi Cour internationale justice là dans Nations Unies pour tes questions. Hein? Donc, Mexique pour tes questions juste dans Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a une organisation hémisphérique, on a parlé d'organisation État américain. C'est comme ça tout. Et si on a une mise à jour sur situation, spécialement sur situation ancien président, c'est qu'il était transféré à l'hôpital, parce qu'il était transféré à l'hôpital, surtout en prison. Pour aller à l'hôpital, il était un malaise. Et sans avoir de précision sur lui. Donc, malaise a fait qu'il était maintenant dans l'hôpital. Et après l'hôpital, là, qu'on est allé retourner dans la prison, il y a l'autre fois encore, il y a plusieurs personnalités qui opinaient sur question ça, qui sont ça à nous dire qu'il y a l'ordre du jour dans l'actualité, hein? Actualité internationale, surtout actualité Amérique latine. Eh bien, il y a plusieurs personnalités qui ont même pris position sur question. Par exemple, il y a Jack Sullivan, qui s'est conseillé. Sécurité nationale, mais sécurité auprès de la Maison Blanche, qui lui-même dit que Washington condamnait des centaines de liens qui fait dans l'ambassade Mexique là, dans Quito, pour lui, pour Washington, son violation convention de Vienne sur relations diplomatiques. C'est position Washington, bonheur Washington des propositions, et Jack Sullivan reprend encore position les États-Unis par rapport à des centaines de liens que la police a fait dans l'ambassade Mexique, dans Quito. Il dit que c'est pour Washington, pour la Maison Blanche, c'est une violation et convention de Vienne qui régit la relation diplomatique entre États. Et puis, gagnant tout, président mexicain, Andrés López Obrador, lui-même, qui réagit tout par rapport à cette situation ça. Il dit que, premièrement, que position ni Canada ni Washington, c'est des positions qui ambiguës et vagues. Il dit que tu pensais que, comme si Washington t'a donné plus direct, plus tranchant, et nous entendons Jack Sullivan lui-même qui dit que, eh bien, Washington condamné et descendu de l'IA parce qu'il croit que son violation des conventions de Vienne des relations diplomatiques entre États. Cependant, Andrés López Obrador, lui-même qui portait plainte contre Équateur dans grandes instances, notamment Nations Unies et OEA, il dit que position Canada avec position les États-Unis, deux voisins, eh bien, c'est des positions qui vaguent et qui ambiguës. L'autre monde qui réagit encore, c'est l'ancien président équatorien Rafael Correa. Vous connaissez qui parle dans le pays, mais lui-même, il demandait à l'Union européenne, à toute communauté internationale, pour faire pression
sous gouvernement Quito, donc gouvernement équatorien, pour l'accorder sa relais au passage sur à M. Glass pour lire son kidnapping que vous fait et sous M. Henri Glass, ancien vice-président. Et n'a pas rappelé tout que Koya, non petit Jean associé avec Henri Glass, ça semblait que M. Ta fait compte mal taillé dans la campagne électorale ancien et président. L'autre monde qui parlait encore et qui réagit, pas des moindres, c'est Jorge Glass Diaz, qui est petit garçon pour et ancien et vice-président qui est en prison en parlant de Jorge Glass. Monsieur le Jorge Glass Diaz, monsieur dit que il dit ça fait pas normal et papa est en prison, papa est dans l'ambassade là et puis il prend papa et qu'on est allé dans prison à deux fois, il essaye si on t'a quitté loin papa là avec tout avocat papa, il pas quitté loin, il dit il croit que son violation droit parle pour lui-même en tant que petit pour loin papa, même si papa est en prison. Donc c'est comme ça. Donc c'est une situation que cap développé, on pensait que pourquoi fini parce que dans moment n'a parlé là, il y a une session ça qu'a fait. Il y a une session spéciale qu'a fait dans siège organisation État américain, on a parlé de OEA sous question et c'est sûr que pour gagner position tout État membre notamment Équateur qui c'est principal concerné là, le Mexique tout a fait même apparemment pendant que Canada avec États-Unis, ils ont même tout qui déjà prend position. Donc, tout l'autre membre et tout l'autre, plus que 30 membres et organisations régionales là, ou bien hémisphériques là, a bien pour faire le tour sur la question, n'a bien pour nous retourner à elle pour. Et puis, n'a pas entré actualité à mener nous ici aux États-Unis, que côté président Joe Biden, dans le moment n'a parlé là, il y a un guest, il y a un visiteur. Visiteur, c'est le premier ministre japonais qui c'est Fumio Kishida. Il a déjà chita parlé déjà, mais il dit que la maison de chacun est que c'est une rencontre qui est très importante. A d'ailleurs, un dîner d'État dans l'occasion passage là, dans le passage M. Fumio Kishida. Il a parlé de plusieurs questions, il a parlé de technologie, il a parlé de défense, il a parlé de stratégie, il a parlé sans doute de commerce. Donc, on parle de gros questions que il a bien pour aborder pendant le passage et M. Fumio Kishida. Et puis, l'autre point que nous sommes capables d'agiter encore, qui a un rapport avec l'actualité internationale, là, c'est la question Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas. Nous connaissons après que le président Joe Biden a parlé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et bien, il y a un retrait que Israël a fait, l'armée Israël a fait dans Gaza. Mais retrait ça, pour l'autre spécialiste, c'est un retrait stratégique côté que vous faites retrait mais pour y attaquer pour y faire une autre et attaque. Donc président Joe Biden lui-même il était fait une interview que il était fait avec Univision que diffusé mardi soir et pour dire que il est pas d'accord avec Jean Benjamin Netanyahu premier ministre israélien a mené combat. Premièrement lui-même il compte ni lui-même ni président Joe Biden à tout Washington, l'un du président Joe Biden, nous voulons dire Washington tout, avec Nations Unies, il a dit que il compte que pour il fait une descente de une grosse opération de Rafah. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit que il est très près du but, il est tout prêt pour accomplir ça, il veut accomplir et ça, il veut accomplir c'est que pour déraciner, déchouquer sur la surface de la terre, question groupe terroriste qui est le Hamas. Et on dit que c'est le dernier côté qui aurait été pour être capable de finir avec la question. Nous connaissons que dans le dialogue que le président Joe Biden a eu avec Benjamin Netanyahu, il a fait des exigences, notamment, il a demandé un cessez-le-feu rapido presto, il a demandé plus pour être capable de plus et quitter l'assistance à joindre et Moun Gaza. Yo. Et il a demandé tout pour pas une opération qui fait dans Rafah. Et il dit que dans l'interview ça a avec Univision, le président Joe Biden dit que lui-même il croit ça en erreur si Israël décide de faire ça. Pendant ce temps, il y a une proposition tout, une proposition de cessez-le-feu de 6 semaines et c'est des bagarres qui ont déroulé dans le Caire, en Égypte et côté que il fait Hamas des propositions. Et dans proposition ça, il y a une question pour
eh ben Hamas tout pour ta libérer otages qui dans meilleur parce qu'il y a plus que 200 otages qui dans meilleur. Donc il t'a pas le faire un boucantage et éventuellement en quarantaine et puis et Israël même t'a libéré plusieurs centaines de prisonniers. Donc dans moment on a parlé là, c'est ça Washington demandé, il demandé que pour Hamas ta accepter proposition de cesser le feu là, il y a un cessez-le-feu de 6 semaines pour être capable ouais qui côté au capable et arriver dans question ça. Faut dire que interview ça que président Joe Biden te by Univision là, il était fait et immédiatement après que 7 membres personnel groupe humanitaire World Central Kitchen qui travaille avec monde qui grand goût dans Gaza et c'est un bagage qui était provoqué indignation colère Washington après que attaque l'armée Israël ça t'est touyé 7 monde ça t'a travaillé dans groupe humanitaire ça que relé World Central Kitchen qui a travaillé dans Gaza avec monde qui grand goût. Donc situation qui j'en les connais là c'est tractation qu'a fait pour être capable de joindre yon cessez le feu dans Gaza mais pendant ce temps gagné que c'est monsieur Gallant qui c'est ministre défense là que c'est monsieur Netanyahu qui c'est ministre pour les ministres israéliens eux même ça a fait ils dit à préparer et au capable même moi image côté qu'il a préparé yon offensive dans Rafah côté gain 1 million combien monde cap vive et pas oublier que grand pile monde qui était à cause de guerre qui était changé qui à Rafah et c'est ça qui vient dans attaque l'armée Israël là. Grand pile fois gen moun yo qui a réfugié en côté et puis l'autre côté c'est là que l'armée israélienne fait attaque. Donc qu'on y a mis en Rafah et l'armée israélienne dit qu'il a préparé yon attaque en Rafah. Et faut nous dire que d'après dernier bilan, il y a plus de 30 000 moun qui t'a mouru. Et ça a bien la guerre. A bien la gon problème. Et bien, n'a pas avancé et puis gon question qu'a fait actualité a, nous connaissons que ça qui a fait actualité ici aux États-Unis, tout 2024 là, son année électorale. Avec la tasse de nous avons un support technique et Jean-Marc Hervé Abela avait dit si nous sommes mal, connaissez Abela. Si nous sommes bien, connaissez les tout. Et si nous avons une information, connaissez moins. Donc, on allait. Donc, ici aux États-Unis 2024 là, c'est une année électorale. Et tant que nous avons dit le spécialiste, dit comme ça que, quel que soit ça qui passait, au point de vue, quel que soit ça qui passait, et mais chaque ça que, par exemple, Donald Trump fait, chaque ça que et Joe Biden fait, son bagage qui gagne un aspect électoral là-dedans, parce que son année électorale, donc, moun pa vle fait erreur. Par exemple, Joe Biden dénonce interdiction, il est son interdiction cruelle que, avortement dans Arizona. Yen tap expliquer question avortement ici aux États-Unis. Gagné Parti démocrate là lui-même li pro choice. Parti démocrate a dit que ou même leur ou enceinte ou gen choix pour faire sauve avec. Par exemple, l'un des choix pour faire sauve avec là, notamment si par exemple c'est yon gang, yon malfaiteur qui viole moun qui et moun nan vin enceinte, moun nan gen droit d'accord, il gen droit d'accord lui-même pour les retirer ti moun nan. C'est ça relé lui-même pro choice avait dit li en faveur que moun nan prend fait un choix. Et puis tandis que parti républicain dans son essence lui-même li pro life, li en faveur la vie, quel que soit gens ou enceinte là, li yo ta mette en interdiction pour ou même pour retirer ti moun nan pour faire dilatation et Fred Kaimi dit bon mot dans pays d'Haïti c'est pour jeter petit. Donc ça veut dire que les républicains contre ça et nous voit que gagné ancien président républicain Donald Trump lui-même lui pose une position qui inhabituelle parce que c'est pas position républicaine ça il dit que il pas croit que il doit prendre interdiction au niveau fédéral ou dans tout pays il doit qu'il doit quitter tout état yo prend position par rapport à question et avortement donc gagné un tribunal dans Arizona lui-même qui jugé valide pour interdiction quasi totale avortement dans l'État. Donc c'est une décision que Joe Biden lui-même lui et rejeté. Pendant ce temps, gagné tout et président Joe Biden qui dit que rival Donald Trump c'est un danger pour la démocratie américaine.
Il dit qu'il y a des bagailles que un candidat dit, c'est des bagailles qui sont dangereuses pour la démocratie et américaine. Et ça va pas longtemps là. Le président Joe Biden a même dit que, dans une interview que l'ancien président Donald Trump a dit que l'IPAP est un dictateur. L'IPAP est un dictateur seulement pendant un jour. Et dans un jour, ça, il dit qu'il y a une déportation massive qui a fait de monde qui est dans le programme Biden, de monde qui est dans ceci, dans cela. Mais il dit que, et alors que Joe Biden dit que ce n'est pas croyable que yon leader américain capable dit yon causé comme ça. Donc c'est pour dire que même si pour qu'on gagne une note officielle qui dit que c'est deux monsieur ça qui pral nan final là 5 novembre de année ça, mais tout porte à croire comme si tout est donné ou montré que nous pral gagner ça nous relé yon remake, yon rematch, yon l'autre face à face encore entre Joe Biden démocrate et Donald Trump républicain. On a dans pays d'Haïti, c'est toujours un suspense sous installation conseil présidentiel de transition. Hier, d'après information qui sortit dans la presse, tu as gagné une rencontre dans le conseil des ministres, parce que le conseil des ministres, lui-même, lui recevoir document, il recevra un document conseil là sous un accord politique et sous projet de décret qui parler de création et de fonctionnement conseil présidentiel transition. Document sa yo, yo pour yo publier dans le journal Le Moniteur. Cependant, yo dit que Gélé Bagala n'a pas bien passé, et selon information qui paraît dans la presse, et que monsieur estimé, conseil des ministres là, estimé que eh ben, conseil présidentiel de transition, lui-même, il a trop de pouvoir. Parce que il y a des questions que, qui normalement dépendent de la constitution du pays, non pas quelque autre cause. Donc c'est pour dire tout ça que, eh bien, il y a pas de temps. Tu as eu un webinaire tout que Karine Jambier, qui est membre et communication, il a eu un webinaire qu'il a fait, mais nous avons pour nous parler de lui parce que la donne, il y a Brian Nichols qui parlait tout sous installation parce que les États-Unis, tu as semblé qu'il a opté en pile pour que tu pour finalement que le conseil a installé pour être capable aller de l'avant. Et nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, dans la date 11 mars, lui-même a annoncé que eh ben, l'a démissionné d'ici l'heure que gagne le conseil présidentiel là installé. Donc jusqu'à présent, pour Ariel Henry, toujours Premier ministre, il y a un Premier ministre AI qui c'est Patrick Michel Boisvert qui en bas, qui en Haïti, et que c'est ça qui a fait de Konya. Donc c'est suspense là qui a continué sous question conseil et transition, hein, conseil présidentiel de transition. Et puis hier, tu as eu opération la police tout à la police a essayé dit pour qui est capable de couper gang yo. Mais pendant ce temps tout on dit tout qu'un mouvement qui de plus en plus a fait chemin, c'est mouvement pour y aller dans cour de cassation pour chercher un président pour qui diriger transition. Moun qui dans mouvement ça notamment gain congrès ou on a mettre recevoir docteur Fritz Bistret dernièrement. Congrès on a mettre l'a dit que dans l'histoire du pays là on fait histoire pays là que conseil de transition pas bail résultat vrai. Et yo allé yo ba exemple Erta Pascal Drouyo qui était fait en élection qui était d'après yo potable et acceptable et yo dit que l'histoire t'a en faveur. Donc il y a une pétition même qui a fait une pétition qu'a fait pour ta ouais dans quelle mesure que yo t'a capable joindre assez de signatures pour t'a capable aller dans et cour de cassation pour y a choisi yon juge, mais yon dit yon l'autre bagay des juges là, yon dit yon juge qui régulièrement nommé. Et discussion encore légale, c'est une cacophonie. Discussion tout, qui jan yon juge régulièrement nommé. Yon dit que si c'est Ariel Henry qui dénomme, il pas régulier parce que c'est président qui gagne ses prérogatives président. Donc c'est pour montrer que situation politique là dans le pays d'Haïti, li ont jan compliqué. Il y a une démolition qui fait et il y a plusieurs cas qui démolit dans la zone aéroport. Côté décision, ça sortit, c'est la police qui t'a déjà dit que la prend décision après que, eh bien, les compagnies aériennes, nous connaissons les compagnies aériennes, ils ont même gagné assurance. Même gens qui ont cas, ou ont machine, ou gagné assurance. Mais assurance a toujours porté des conditions pour l'assurer machine, pour l'assurer cas là. Et ils ont remarqué que cas qui est aux alentours, surtout dans la partie nord, qui aux alentours aéroport, li pa on source de sécurité pour avion. C'est comme ça assurance, compagnie d'assurance yo a fait pression sur li aérien yo pour dire que yo pa ka assurer si c'est dans condition ça. Et ça qui arrive ce qu'on a c'est que qu'on a la police obligée prend mesure
pour yo même pour capable prendre mesures appropriées pour capable répondre aux exigences compagnie aérienne yo qui au même tout a subi pression dans main et assurance yo. Donc gain démolition qui commence à faire, mais ça qui arrive tout c'est que gain propriétaire de maison qui dit que eh ben yo marqué à démolir mais pourquoi ba encore gain qui dit yo démolir caillou pourquoi ba encore. Bon, ça c'est ça fait partie aussi de la bureaucratie haïtienne. Dans le moment que l'administration publique là pas vraiment fonctionner à plein rendement, donc nous ouais qui genre situation capable était très compliqué dans le pays d'Haïti. Donc autant de points dans le pays d'Haïti qui a fait en pile sensation, qui a créé en pile sensation avec tout problème ça yo qui gagne dans le pays d'Haïti, qui a fait face à problème grand goût, problème économie, problème santé, gagne par exemple l'hôpital général pas fonctionné, puis grand centre hospitalier pays a pas fonctionné, le stade national et monsieur Gangio prendre et jusqu'à présent tout monsieur Gangio tout yo même yo dit yo voulait prendre pouvoir tout. Donc en pile source de conflit Gangio qui gagne force visible et Nations Unies était parlé de 80% mais qu'on y a parlé de 90% de occupation Gangio dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Donc yo même tout yo gon force de frappe, yo gon pile et capacité, gen moun ki di yo gen plus capacité que police nationale là et ça arrêté pour vérifier. Et puis tout gagné yo continue à craser, briser, nous t'ai parlé de l'église et première église baptiste là qui dans rue de la Réunion, nous t'ai parlé de Enat qui craser, bibliothèque nationale qui craser et on paquet l'autre encore et t'ai gon ti calmi avant y t'ai gen gros tiré, y t'ai gen un ti tiré mais je ne sais pas si ce sont les mauvaises langues ou les bonnes langues. Je dis à cause du match qui a joué Manchester City avec Real Madrid, il y a un petit calme. Je dis qu'il y a un football et il y a un petit calme. En Haïti, bien que nous voyons qu'après le match, il y a un match Brésil, il a été gâté. Donc, nous suivons tout ça qui a passé. Donc, restez branchés. Nous avons un petit détente pita avec Jean-Aubert Philippe. À 12h30, nous avons un Serge Rodriguez dans ça qui a passé Haïti sur radio. Et nous avons un petit détente ça là. Avec Jean-Robert Philippe dans un petit moment. Et puis, tu as le grand rendez-vous, qui c'est rendez-vous info programme sous télévision à 4h. Donc, on va prêter branché. Merci d'être que vous toujours été branché avec nous. Ça fait nous un pile plaisir. Vous pouvez imaginer. Et pour tout le monde qui est en bas live là, nous contents, nous saluons. Merci. Kademaré là, merci d'être que Daniel Désir, merci. Tout le monde qui est avec nous, nous contents. Ça fait nous plaisir d'être que vous toujours branché avec nous. Et nous contents pour nous faire route là. Ensemble. Donc, prochain rendez-vous, c'est d'abord sur radio à 12h30 avec Serge Rodriguez dans Sac Passé Haïti. Et après ça, on a gagné à 1h avec Jean-Robert Philippe dans Détente Nouvelle là. Et puis à 4h, le grand rendez-vous. On a venu toute équipe solide là à plat.